trop. Je m'en charge. On a réussi à passer malgré les troncs d'arbres. Tape-moi. C'est Crusher. Crushounet. Maminette, malade. Venez, par ici, les amis. Bon, écoutez-moi bien. Arrêtez-vous, j'ai pas envie de foncer dans d'autres trucs dégoûtants. Comme c'est... toile d'araignée. Je ne plaisante pas, ça suffit maintenant. Ne me faites plus passer dans des trucs dégoûtants comme... des bananes. Alors là, ça commence à bien faire. Plus de toile d'araignée ni de banane dans la figure. Et je n'ai pas du tout envie de foncer dans cette énorme montagne de boue dégoûtante. Une montagne de boue. Au secours. Non d'une durite. À cause des skis à réaction, Crusher va s'écraser sur cette immense montagne de boue. On doit vite le tirer d'affaire. Mais comment on va faire? On n'a pas de matériaux qui soient assez résistants à la traction pour arrêter les skis. Moi, c'est... Et si on se servait de baleine? Évidemment, un seul bras de laine n'a pas une résistance à la traction très élevée. Mais regardez, si je tricote deux fils ensemble, ils sont plus résistants. Plus j'ajoute des fils de laine, plus mon tricot sera solide. Allez, Maminette! Elle tricote à vitesse grand V. Waouh! Hey, tu as vu ça? Maminette tricote une corde bien épaisse, très élastique et résistante. Et voilà qui devrait suffire. Waouh, ça c'est une corde sans pareil. Vite, testons-la. Filez mes petits, allez sauver mon crochounet. Vous pouvez compter sur nous, Maminette. Oh oh, Crusher s'approche de la montagne debout. Waouh, à l'aide. Pour rattraper Crusher, on doit utiliser la vitesse explosive. Pour me faire atteindre la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Vite Blaze, c'est le moment! À ton avis, la corde de Maminette est-elle assez solide pour arrêter les skis? Voyons ça. Regarde, la corde de Maminette est si résistante à la traction qu'elle ne se casse pas, même quand les skis à réaction tirent dessus. Quoi? Je me suis arrêté. Ils ont arrêté les skis à réaction. Mon chéri, tu es sain et sauf. Tu as réussi, Maminette. Tu m'as sauvée. Oh, ta Maminette ferait n'importe quoi pour toi, mon petit crochounet que j'aime et que j'adore. Mon choupinou. Content que tu n'aies rien, crochounet. Je veux dire, Crusher. Moi aussi. Et tu sais, elle est drôlement cool, ta Maminette. Hey, je viens d'avoir une idée. Est-ce que ça vous dirait d'aller fêter ça en mangeant une glace? Oh oui! Avec plaisir! Elle sera à quel parfum la glace, Maminette? Tu choisiras celui qui te fera plaisir, mon bichon. Alors je prendrai vanille. Oh non, non, une boule de glace à la fraise plutôt. Non, au chocolat, c'est mieux chocolat ou à la cerise. Pourquoi pas du chocolat à la cerise?